Bonsoir à tous. Donc, la Bibliothèque publique d'information est absolument ravie de vous retrouver ce soir pour cette dernière rencontre de notre cycle Le pouvoir des mots. Cycle de rencontres qui s'intéresse aux aspects politiques du langage. C'est un cycle que l'on a débuté en 2019 en invitant des artistes de stand-up, en invitant des conteurs, en invitant aussi des professeurs de stylistique moderne. Et assez naturellement, ce soir, nous terminons par des linguistes autour de cette question de l'écriture inclusive. Donc ce soir, je suis ravie de recevoir vos trois intervenantes, Camille Regache, Anne Cody et Julia Bou. Et surtout, je remercie beaucoup Camille d'avoir accepté de modérer cette rencontre. Donc Camille, je vous présente rapidement. Camille est journaliste, elle est aussi autrice du podcast Camille sur Binge Audio, que je vous invite à découvrir si ce n'est déjà fait. Et donc Camille, je vous laisse mener cette soirée autour de l'écriture inclusive et de la question de la neutralité de la langue. Merci à tous. Merci beaucoup Caroline et bonjour à toutes et à tous vous qui nous suivez ce soir pour parler d'écriture inclusive, un sujet qui est loin d'être cantonné à des petites sphères féministes ou LGBT actuellement parce que, comme vous avez pu le voir passer dernièrement, il y a des tribunes de linguistes dans la presse et surtout il y a des annonces du gouvernement parce que pas plus tard que la semaine dernière, Jean-Michel Blanquer, qui est ministre de l'Éducation nationale, a proscrit via une circulaire l'utilisation du point médian à l'école. Alors sous quel motif ? Eh ben, l'écriture inclusive et notamment le point médian seraient des obstacles à l'acquisition de la langue et il y aurait donc un risque pour l'apprentissage du français. Bon, alors avant de commencer, on va quand même rappeler qu'actuellement l'écriture inclusive, elle n'est pas enseignée à l'école et donc c'est une décision qui est purement symbolique et politique qui vient s'inscrire dans un contexte où certains et certaines crient à la mise en danger de la langue française et de sa soi-disant neutralité sous les coups d'une idéologie, et je mets plein de guillemets, féministe. Les guillemets étant sur idéologie et non pas féministe. Alors, est-ce qu'une langue, ça peut être neutre ? Et de quoi est-ce qu'on parle quand on dit l'écriture inclusive ? Qu'est-ce que ça signifie, inclure dans la langue ? Par quel procédé ça passe ? Pour répondre à toutes ces questions, ce soir, on est en compagnie de Julie Abou. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes chercheuse en sociolinguistique, vous êtes autrice d'une thèse sur les modifications du genre linguistique pour des motifs politiques, donc c'est bien notre sujet ce soir. Aujourd'hui, vous travaillez sur les usages sociaux et politiques du langage et vous dirigez la revue GLAD, G-A-L-D, point d'exclamation. C'est une revue numérique qui est en accès libre et qui est consacrée aux questions de genre et de langage. Et avec vous, il y a Anne Cody. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes chercheuse en genre et langage, vous êtes enseignante d'anglais à l'université Aix-Marseille et vous travaillez sur les réformes féministes linguistiques en anglais et en français et sur les débats qui les entourent avec l'idée justement de comparer ces débats et ces réformes. Alors avant qu'on discute toutes les trois, je voulais préciser au public, avant de débuter la conversation, qu'en fait on tenait toutes les trois à dire qu'on est donc respectivement chercheuse et journaliste, mais on est aussi féministe et vous l'auriez peut-être déjà deviné, étant donné les domaines et les intitulés de nos travaux. Mais on voulait rappeler qu'il n'y a pas de recherche neutre, tout comme il n'y a pas de journalisme neutre. Et donc, il faut vous rappeler qu'on parle d'un point de vue situé, qui est un point de vue de féministe, et qu'il ne s'agit pas ce soir de faire un débat pour ou contre l'écriture inclusive. L'idée, c'est plutôt de faire une discussion pour comprendre ce qui est en train de se jouer là, dans les débats en ce moment. Et donc, on vous propose surtout une discussion autour de la définition de l'écriture inclusive, de son emploi et des représentations qu'elle porte, parce que chaque langue, elle porte une vision du monde, et donc c'est bien pour ça que les débats linguistiques, eh ben, ils sont forcément des débats qui sont politiques. Mais on va y arriver, ça va être tricoté tout au fur et à mesure de la conversation. Et avant tout ça, Anne Cody, Julia Bou, la question de cet entretien ce soir, c'est la langue peut-elle être neutre ? Pourquoi est-ce qu'on a en tête spontanément qu'une langue, c'est forcément quelque chose de neutre ? Est-ce que ça tient à la manière dont on l'apprend, ce qu'on nous présente quand on est à l'école ? Je pense qu'on a tous tendance à, et toutes, voir la langue comme un simple miroir du monde qui reflète le monde comme il est. Mais ce n'est pas du tout juste un miroir du monde, c'est un miroir un peu déformé qui sert à donner une certaine vision du monde.
et à reproduire une certaine vision du monde. Je pense aussi que c'est parce qu'on est baigné depuis l'enfance dans notre langue maternelle. Et personnellement, c'est en apprenant d'autres langues que j'ai réfléchi à ma propre langue et au fait que ce n'était pas neutre parce que d'autres langues avaient une autre vision du monde. Oui, tout à fait. J'irais dans le même sens que Anne sur cette idée de. Il y a cette idée en circulation que la langue, ça serait un jeu d'étiquettes et qu'on collerait des petites étiquettes sur les choses. Et en fait, ces petites étiquettes, ça serait les mots. Et puis, il y aurait un rapport très univoque comme ça. Alors que, bon, il suffit de regarder un peu attentivement la langue pour que ça explose comme vision. Et pour la peine, les grammairiens de tout temps, alors on n'aime jamais dire de tout temps, mais de presque tout temps, là, s'accordent sur cette idée que quand on regarde dans le détail, cette transparence supposée du langage n'existe pas et ne survit pas à l'examen. Quoi. Alors, vous venez de dire de tout temps, il y a aussi peut-être cette idée que la langue, ce serait un grand bloc qui s'est formé par accumulation et qu'on arrive à quelque chose qui est cohérent aujourd'hui, il ne faudrait surtout pas y toucher, ou en tout cas pas revenir en arrière. On pourrait rajouter peut-être des choses, mais pas revenir sur des principes de base. Est-ce que c'est une vision faussée qu'on a du langage ou de la langue française en particulier, puisque c'est des arguments qui sont mis en avant en ce moment ? Oui, je pense que c'est dans le même sens que c'est un jeu d'étiquettes. Sur le monde, en fait, dire que c'est un jeu d'étiquettes sur le monde, ça permet de penser la langue comme une sorte de verrou qui verrouillerait un état des choses. Et donc, ça, en pensant ça, on a aussi cette même idée-là entraînerait l'idée que ça ne changerait pas, ou si, quand bien même ça change, ça ne peut changer que parce que le monde change, il y a une sorte d'adaptation après coup, ce qui, là, pareil, résiste très peu à l'examen. Parce que le monde change actuellement. Alors pourquoi ces verrous-là sur ce changement, cette question de féminiser la langue ou en tout cas la rendre plus inclusive, on aura le temps de discuter ce terme-là, pourquoi il y a un blocage du coup par rapport à ça? Alors d'une part, pourquoi, peut-être on peut se demander pourquoi il y a changement aussi. Donc on est dans des renouveaux idéologiques et qui ont aussi des renouveaux en termes de contre-offensive. Quoi. Et je pense que là, si on a une réaffirmation de ces verrous. Et là, on sort un peu presque du cadre de la linguistique seule, mais on a une réaffirmation de ces verrous au moment où on a besoin de réaffirmer un ordre, que ce soit un ordre moral, un ordre naturel, un ordre divin, un peu selon les périodes. Mais, Oui, c'est un peu un repli en soi. Quoi. On essaie de garder le contrôle sur les choses qui nous échappent un peu. Alors que pourtant, les choses, c'est pas que maintenant que les choses échapperaient, que la langue serait en train d'être remaniée, réinventée, parce que les débats autour de la féminisation de la langue française, c'est pas nouveau du tout. Si on parle d'ailleurs juste de langue française et en France, pas ailleurs dans le monde, on peut dire qu'on en parle déjà depuis au moins les années 80. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, justement ? Il y a des travaux qui commencent à montrer, alors on n'a pas encore beaucoup de recul historique là-dessus, mais qu'en fait les premières tentatives de faire des circulaires sur la féminisation, où on est dans une ouverture un peu sur ces questions-là, en fait, il y a des volontés politiques, mais qui rencontrent en fait très peu d'écho, qui ne sont pas reprises, comme si ce n'était pas encore le bon moment. En tout cas, c'est ce que suggèrent ces travaux. Et que dans la fin des années 90, quand à nouveau on remet cette question-là sur la table, eh bien là, hop, on peut s'en saisir, et tout à coup, il y a une prise beaucoup plus large qui se fait. Donc il y a des moments de configuration idéologique qui sont effectivement plus favorables que d'autres au changement. Ouais. Ouais. Mais on se rend compte que c'était plus ou moins les mêmes arguments utilisés contre la féminisation des titres il y a 40 ans qu'aujourd'hui. Je cite quelques exemples. Il y a toujours des choses plus importantes à faire. Changer la langue ne va pas éliminer le sexisme. Celles et ceux qui promeuvent la féminisation des titres, c'est par idéologie. Et nous, on est neutres. Donc, on entend exactement les mêmes arguments 40 ans plus tard qu'il y a 40, que dans les années 80. Parce qu'il y a 40 ans, on ne parlait pas d'écriture inclusive, mais on parlait justement de féminiser certains titres de métier. Et c'était vraiment le combat de l'époque, on va dire ça comme ça. Il y avait pas, c'était le point central de la discussion, c'était de passer de le ministre, la ministre, président, présidente, des choses comme ça. Il n'y avait que ça comme débat.
Enfin, il me semble que c'est le seul débat qu'il y a eu. Pardon, vas-y Anne. Oui, oui, je pense que c'est le seul débat, mais la question centrale pour moi, c'est la question de est-ce que l'inclusivité du masculin. Et on revient à ça parce que ce n'était pas un problème qui a été résolu il y a 40 ans. C'était un peu bricolé, mais la vraie question sur la générosité du masculin, c'était un peu mise à l'écart. Et on y revient aujourd'hui. On y revient, mais du coup, sur d'autres points de la langue. Parce que ça semble aujourd'hui acquis qu'on puisse féminiser des titres de profession, de métier, des choses comme ça. Pour vous, c'est acquis, cette féminisation-là? On voit qu'il y a eu quand même des discussions assez âpres autour de, par exemple, auteur-autrice, il y a quelques années. Est-ce que pour vous, en fait, on a achevé cette réflexion-là de 40 ans sur qu'est-ce qu'on féminise comme nom, comme profession? Il y a quand même de la résistance. Hein. En 2014, on pense au Julien Aubert qui a refusé de dire Madame la Présidente à Sandrine Mazetier. Il y a quand même pas mal de professions où c'est un peu dur pour les gens de féminiser. Il y a moins de résistance, c'est sûr, mais ça existe encore un petit peu, je pense. Julie, sur cette question, peut-être quelque chose à ajouter ? Oui, juste peut-être sur la dimension de est-ce que c'était la seule question ? Je pense que c'est comme aujourd'hui, l'écriture inclusive a le bénéfice des lumières médiatiques. Je pense que c'était pareil pour la féminisation à l'époque. Et on a des petits témoignages qui sont implicites ou un petit peu par petites touches comme ça, dans des textes par exemple de Monique Wittig, qui nous dit que depuis les années 60, cette question du langage et de l'appropriation du langage, elle est travaillée dans les milieux féministes avec beaucoup de choses. Il y a des travaux autour des slogans féministes, par exemple, enfin, de plein de manières, mais qui n'étaient pas sur la question grammaticale uniquement. Mais par contre, ce n'est pas des façons de questionner le langage qui ont passé, on va dire, dans le grand public ou en tout cas dans les discussions politiques qu'on peut suivre. Donc, étudier le langage d'un point de vue féministe, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis déjà longtemps. Et c'est aujourd'hui une infime partie de ce travail-là qui est porté à la connaissance du grand public, si on peut dire ça comme ça, avec des moments politiques, donc des propositions de loi pour interdire l'écriture inclusive qui sont déposées à l'Assemblée, des circulaires du ministère, des choses comme ça. Donc, ce qui relie ces moments-là, du coup, c'est, comme vous le disiez, Anne, l'idée qu'il faut remettre en question le fait que le masculin, c'est le neutre, puisque c'est un des principes de langue française, on dit le masculin générique, il pourrait englober l'intégralité de... Ce serait l'étiquette, pour revenir à votre définition du... Le langage comme étiquette, l'étiquette idéale pour tout décrire. Alors, est-ce que vraiment le masculin, il peut être neutre ? Est-ce qu'il inclut vraiment tous les genres, toujours en langue française ? La question qui tue. Ça dépend ce qu'on veut dire par neutre. Donc, si on veut dire il y a un mélange entre neutre et générique, je pense, souvent l'argument que le masculin français a englobé le neutre latin est utilisé pour dire que donc le masculin est neutre, mais en fait il y avait au moins un tiers des noms latins qui sont partis dans la catégorie féminin, et donc les deux tiers sont partis dans la catégorie masculin. Mais à la base, cette catégorie de neutre servait pour décrire les noms inanimés, c'était pas pour décrire les personnes. Donc, il y avait dire que le français, le masculin, est héritier du neutre latin n'a pas de sens, parce que c'était des noms inanimés. Après, générique, il y a une différence entre valeur générique et fonction générique. Donc, n'importe quel nom peut servir peut avoir une fonction générique, comme fruit. C'est le générique, après on a pomme, banane, etc. Donc il n'y a pas vraiment de raison que le masculin soit intrinsèquement générique, qu'il ait une valeur générique. C'est plutôt une fonction, et les fonctions peuvent changer. Sur le
le sens du générique, comme ça, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette question du neutre. Et sur le sens du générique, en fait, c'est assez intéressant parce qu'il y a des chercheurs qui travaillent dans plein de domaines et d'approches différentes et qui en viennent tous à conclure la même chose sur cette idée en fait, de l'amalgame qui se fait entre cette désignation du générique et le masculin, au sens de homme. Et alors après, il y a des analyses différentes qui peuvent en être faites, mais en fait, quand on dit, on parle à des petites filles, par exemple, et qu'on leur dit une phrase au masculin, eh bien, elles comprennent immédiatement masculin, elles ne comprennent pas générique. Et en fait, il faut qu'il y ait un apprentissage dans un deuxième temps que cette forme-là peut avoir un sens générique. Ça, c'est des travaux en psycholinguistique de Gygax. Et par ailleurs, certaines linguistes font l'analyse de ça en disant « Oui, c'est parce que, en fait, le sens premier de masculin, ça veut dire l'humanité. » Il y a eu comme un abordage, enfin, vraiment, le masculin a mis le grappin sur l'humanité, en quelque sorte, si bien qu'aujourd'hui, ça devient indistinguable. Qu'est-ce qui est de l'ordre du masculin et du générique ? Et le projet, effectivement, entre autres, de l'écriture inclusive et de différentes formes, c'est effectivement de défaire cet amalgame-là. Ouais, un des exemples, c'est par exemple qu'on parle des droits de l'homme plutôt des droits humains, par exemple, donc pour illustrer le fait qu'on confonde en fait, le fait de désigner un ensemble qui serait composé d'hommes et de femmes, et donc à l'utilisation du terme, on a un terme qui est identifié comme étant désignant aussi le masculin, mais donc du coup, ce que vous disiez Julie, c'est qu'on apprend aussi, on visualise en fait plus facilement des hommes quand on utilise ce masculin générique-là, plutôt que un groupe composé de personnes de plusieurs genres. Je vous ai coupé, Anne, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire qu'il y a certains linguistes qui pensent que dans l'indo-européen, donc une langue qui a été parlée il y a des milliers d'années, on a distingué animé et inanimé. Et la catégorie animé, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le masculin. Et le féminin était une sous-catégorie de l'animé. Mais est-ce que ça veut dire que le masculin est toujours générique, ou est-ce que ça veut dire qu'une fois que le féminin était marqué et est sorti de cette catégorie, il y avait deux catégories après, masculin et féminin. Et c'est une question qu'on entend beaucoup contre le langage épicène, enfin pour le masculin générique. Mais juste parce que c'était peut-être le cas il y a 2000-3000 ans, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Ça, c'est une question plus délicate, je pense. Et peut-être à une échelle, pardon, excuse-moi, mais à une échelle plus récente dans le temps, Anne, il y a cet exemple que tu connais sûrement mieux que moi, du loup-garou en anglais. Oui, oui. Qui montre peut-être tu peux raconter ouais, cette donc, distinction-là. Donc, werewolf, et donc le « were », c'est un préfixe qui veut dire « homme mâle » et « wolf » « loup ». Et c'est « were », il y avait l'équivalent « with » en anglais, en vieil anglais, pour « femme ». Et donc, pour dire « homme », c'était « with »,« were man », et pour dire « femme », c'était « with man ». Mais les hommes… Et « man » voulait dire « humain », quoi. Voilà, « humain », « être humain ». Et le mot man est resté et le préfixe were est disparu, sauf werewolf, loup-garou, pour désigner tous les hommes. Donc les hommes ont un peu usurpé cette désignation de humanité et le suffixe wif est resté pour désigner les femmes. Et donc c'est la restriction sémantique qui s'opère au profit du plus puissant, en fait. Comme on voit avec, par exemple, le continent Amérique, et quand on dit, au moins en anglais, je vais en Amérique, on pense tout de suite aux États-Unis, parce que c'est le pays le plus puissant du continent. Et c'est un peu la même chose qui s'est passé avec le mot man en anglais et homme en français.
J'imagine que quand on est français, on a du mal aussi à imaginer ce que voudrait dire en fait avoir des dénominations neutres pour ce qui n'est pas animé, parce qu'en fait, en français, on genre absolument tout. Donc, une table a un genre. La ouais. table est genrée au féminin. Alors qu'en anglais, si je n'ai pas de bêtises, Anne, c'est pas la même chose. Donc, il y a déjà une séparation qui est faite dans la langue, contrairement au français. C'est peut-être plus simple de se rendre compte en anglais que c'est possible d'avoir un langage qui ne genre pas tout en permanence. Oui, il y a, donc pour les inanimés, il n'y a aucun genre. Pour les êtres humains, oui, mais ça se voit que dans les pronoms et quelques noms comme king, queen, roi, reine, frère, sœur, des mots comme ça. Mais sinon, on a choisi une autre stratégie en anglais, c'était plutôt la stratégie de la neutralisation, qui va un peu dans le sens de l'économie linguistique, parce que c'était le choix le plus facile, parce qu'on avait déjà perdu le genre grammatical à partir du 10e siècle, je pense. Donc, on a supprimé les suffixes comme ess. Donc, on a tendance à dire, par exemple, pour acteur, actrice, on dit acteur pour les deux. On a supprimé les marqueurs de sexe comme lady, doctor, woman, doctor. On enlève le lady, le woman. Pas besoin de dire femme, médecin, c'est juste médecin. Docteur Quinn, pourtant. Ouais. Mais ceci dit, il y a une anecdote qu'on utilise souvent en français, c'est l'anecdote du chirurgien. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un homme et son fils sont dans une voiture, il y a un accident de voiture, l'homme, le père, il meurt sur le coup, et le fils va à l'hôpital. Et une fois à l'hôpital, le chirurgien entre et voit le garçon et dit oh, « je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Et donc on se dit « mais attendez, il est mort, le père est mort ». Et on met du temps pour se dire « ah ben c'est la femme en fait ». Et souvent c'est un argument utilisé en français pour dire « vous voyez, le chirurgien, on pense aux hommes ». Mais c'est la même chose en anglais et « surgeon », c'est pas genré, mais on pense quand même à un homme parce que la profession est… Et si on n'est pas trop bavarde, il y a une expérience que j'adore à ce propos-là sur ce qu'on appelle la force métaphorique du genre, c'est-à-dire le fait que même quand il n'y a pas de genre grammatical, ça se déploie cette distinction, cette dichotomie du masculin et du féminin. Il y a une expérience sur l'anglais que rapporte Cameron où elle présente à des locuteurs anglais donc qui n'ont pas de marquage grammatical comme ça, des couples de mots. Alors il y a... Alors, je vais le dire en français, fourchette, couteau, vanille, chocolat, Chevrolet, Cadillac, il me semble des choses comme ça, donc en anglais sans genre grammatical. Et elle leur demande, est-ce que vous pouvez attribuer du masculin, du féminin à ces objets? Et en fait, les locuteurs le font, mais très, très facilement. Immédiatement, ben, bien sûr, fourchette est féminin, couteau est masculin. Vanille, c'est le féminin, chocolat, c'est le masculin. Sel et poivre, pareil, etc. Et en fait, même nous, locuteurs du français, en dehors du genre grammatical, on sent qu'on peut prédire ça aussi. Elle fait après, donc elle décale de fourchette couteau, elle fait fourchette cuillère. Et hop, fourchette devient masculin, la cuillère, c'est le féminin. Ouais. Et donc, là, on voit bien apparaître cette force. Parce que c'est le plus grand Oui, c'est ça, qu'on est prêt, en fait, à utiliser n'importe quel symbole pour fourrer, en gros, nos dichotomies de genre à l'intérieur, quoi. Enfin, dans quelque chose donc, ça veut dire que c'est des schémas cognitifs qui sont très puissants, quoi. Ouais, bah, il y avait une... Excusez-moi. Et j'allais ajouter rajouter du masculin et du féminin, quoi qu'il arrive, mais surtout, dans les exemples, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a aussi une hiérarchie, et qu'en fait, c'est pas simplement dire il y a du masculin et du féminin, mais qu'il y a surtout en fait, une hiérarchie qui est faite entre le masculin qui est plus noble, avec des professions, je reviens aux professions dont on parlait tout à l'heure, la féminisation des noms de professions pose problème quand il s'agit de métiers de pouvoir, en tout cas avec de l'influence ou quelque chose de symboliquement très fort, alors que la féminisation de factrice, d'agricultrice n'a jamais posé problème, et donc ça me permet de revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure et de montrer qu'il y a bien une différence hiérarchique qui est faite entre les deux. Et je précise aussi par rapport à ce que disait Anne tout à l'heure que quand on parle de neutre et de passer du coup à de l'inclusif, rajouter du féminin là il y a du masculin, quand on parle d'écriture inclusive en français, on parle de termes qui concernent des hommes et des femmes animés, et donc l'idée n'est pas forcément actuellement dans le débat de passer à l'inclusif, par exemple de dire une table. Je précise parce que c'est une question qui revient parfois de dire on va tout passer au neutre, on va tout réapprendre la langue intégralement, non, l'idée serait de
pour l'instant d'inclure des personnes et de voir plus tard pour l'aspect neutre des objets eux-mêmes. En tout cas, je lui précise parce que c'est parfois un raccourci facile de critique de quelque chose qui n'existe pas dans le débat actuellement. Et du coup, j'ai recoupé Anne, donc je te redonne la parole. En fait, c'était pour parler d'une autre expérience, mais c'était pour dire plus ou moins la même chose. C'était l'expérience sur les fourchettes et les couteaux, comme ils ont donné aux francophones une... je pense que c'était une fourchette. Et ils disaient, voilà, cet objet, raconte une histoire où, dans laquelle la fourchette est le personnage principal. Et tout le monde a donné une voix féminine à la fourchette. Et ils ont fait la même chose en espagnol, je pense que c'est fourchette, où c'est masculin. Et les Espagnols ont donné une voix masculine, mais avec le même objet. Donc ça revient à ce que tu as dit, Julie, comme quoi le genre, même quand il n'y a pas de genre, de sexe, ça, c'est reflété sur les objets animés. Pour nuancer, complexifier un petit peu, il y a aussi, dans le même sens, Mickey Mouse, c'est une souris, et il n'y a pas de problème à ce qu'il soit un garçon dans l'imaginaire. Ouais. Donc en fait, ça veut dire qu'on arrive très bien à s'accommoder aussi de contournement de ce genre. En même temps, il y a une force métaphorique très large, ça contamine un petit peu tout le genre. En même temps, du point de vue grammatical, il y a plein d'endroits où c'est utile. Quand, effectivement, sur l'inanimé, ça sert à faire des accords dans la phrase, ça sert à classifier le lexique. Alors, il n'y a pas des millions de mots, mais on a quand même des exemples comme le livre et la livre, ou le mur et la mure, ou le solde, la solde, etc., qui permettent, ça permet d'avoir moins de mots, un moins grand stock de mots, disons. Donc, il y a quand même des utilités. Et pourtant, tant qu'il y a du genre grammatical, c'est-à-dire qu'on a quand même des travaux qui montrent clairement que le genre, c'est en premier quelque chose de sémantique, c'est-à-dire c'est en premier le sens mâle-femelle, masculin-féminin, et dans certaines langues, ça se grammaticalise. Évidemment, la question, c'est pas, on peut pas dire on va abolir la grammaire, mais pas plus qu'on va dire on va la garder telle quelle, en fait. Ça a aucun sens d'avoir un programme total sur la langue de ce point de vue-là. C'était juste un peu pour souligner la complexité de quand on touche ou quand on ne touche pas, c'est tout aussi complexe. Alors justement, le programme, quel est-il ? Donc le programme de l'écriture inclusive, on peut revenir sur le terme utilisé, mais en tout cas le programme, c'est de dire on va inclure des formes féminines quand on parle de personnes, donc pas de table, mais de personnes, de gens qui existent, donc de rajouter du féminin là où il n'y en a pas, quand justement on a des termes qui sont soi-disant neutres ou génériques. Et pour ça, il y a plein de manières en fait de rajouter du féminin dans la langue telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors on peut faire une liste super longue, on va essayer d'en faire une assez conséquente. Qu'est-ce qu'il existe comme pratique d'écriture inclusive ? Parce qu'on pense tout de suite point médian, on va décrire ce que c'est juste après, mais ce serait quoi de l'inclusif que tout le monde pratique, par exemple, le quotidien, sans s'en rendre compte ? Alors, je pense le plus transparent, c'est-à-dire celui dont on se rend le moins compte, c'est le doublé, le doublon, il a plusieurs noms, les coordinations, donc dire les manifestants, les manifestantes. Là en ce moment les linguistes s'amusent beaucoup à reprendre Macron qui commence souvent des phrases par celles et ceux, donc là où on est sur des choses où on met les deux genres, on dédouble des humains, on dédouble. Le très classique française-français, mesdames, messieurs, de toutes les émissions de télé, des choses qui sont très faciles à l'oreille et qu'on connaît déjà. Et donc ça, c'est... Travailleuse, français-français, française-français, je ne sais plus en quelle. Travailleuse, tout à fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on mettrait d'autre ? Et ensuite, on a une pléthore d'outils typographiques. C'est intéressant parce qu'on voit qu'on les investit symboliquement et significativement, ces outils typographiques. Donc, il y a la parenthèse, il y a le slash, il y a le tiré bas, le point médian... Déjà, c'est pas mal, je crois. Je ne sais pas si oui, il y en a sûrement d'autres. En allemand, on a l'astérisque. En espagnol, on a la proposition de l'arrobase. Donc, il y a tout un tas de propositions typographiques qui montrent qu'on insère, en fait. C'est comme une incise. On insère quelque chose. Et donc, en fait, on insère, on prend la forme masculine et féminine et on en fait une forme de contraction, en tout cas d'un résumé à l'écrit qui est marqué par une autre forme typographique. Ce serait ça, la définition de l'utilisation de ces symboles-là pour faire de l'inclusif à l'écrit, et uniquement à l'écrit, du coup. Oui, c'est ça. On peut considérer ça comme une abréviation, effectivement, comme quand on met monsieur ou madame, on met M, point, et on comprend que ça veut dire monsieur. Et bien là, effectivement, c'est on met une fois le radical, et ensuite une fois, chaque fois, chaque suffixe. Alors, ça dépend quand c'est...
c'est pareil, formellement, l'alternance masculin-féminin, enfin, ça a plusieurs formes en français. Donc, des fois, il suffit de rajouter un « e », entre guillemets, mais pas toujours. Alors, souvent, on fait cohabiter et on voit des choses apparaître. Par exemple, dans mes travaux, au tout début, j'avais beaucoup aimé les chômeureuses. Parce que ça faisait entendre qu'on était heureux, il n'y avait pas de travail heureuse, il n'y avait que des chômeureuses, parce qu'on était chômeurs, chômeuses. Donc il y a ces jeux-là, et aujourd'hui on entend des gens qui disent par exemple, je vais dire locuteur, ce n'est pas le terme qu'on emploie le plus fréquemment peut-être, mais locuteur ris et pas locuteur tris. C'est-à-dire que les gens choisissent un petit peu où ils coupent, donc souvent d'ailleurs les quelques linguistes qui sont contre l'écriture inclusive, clairement pour des enjeux beaucoup plus idéologiques que linguistiques, s'effarouchent beaucoup. Que les locuteurs ne soient pas des grands grammairiens qui coupent exactement au bon endroit, mais tout le monde comprend. À Binjodio, par exemple, on ne dit pas auditeur et auditrice, on dit auditeurice, pour justement faire un seul mot qui soit plus facile à dire, etc. Donc il y a des inventions aussi de termes qui sont compréhensibles à l'oral, comme à l'écrit d'ailleurs, sans point médian ou parenthèse ou quoi que ce soit. Juste sur ce auditeurice, donc les gens qui poussent des cris d'orfraie sur ce terme-là, en fait, il y a une autre contrainte en fait, que ça respecte, c'est la contrainte phonologique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile de prononcer auditeurice qu'auditeurtrice, où on y arrive quand même, mais s'il y a des C, en plus, ça peut devenir compliqué, des creux, etc. Donc, en fait, ça ne répond pas à la description standard et classique de ce qu'on appelle la morphologie, donc comment ça se construit à l'intérieur du mot, mais ça répond à une autre contrainte phonologique au niveau du son en fait et de l'articulation. Donc c'est pas, je dis ça pour préciser que c'est pas du tout du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que ça répond à des contraintes du français. J'allais dire que j'adore ce côté ludique avec la langue, ce côté créatif qu'on a trouvé aussi en anglais avec le mot histoire, et on a remplacé H-I-S avec her story. Mais bon, on savait que ça, étymologiquement, ça n'avait rien à voir, mais c'est une façon de réinsérer les femmes dans l'histoire. Et là, je trouve ce côté créatif vraiment intéressant. Comme sociolinguistique, c'est intéressant à étudier. Et au-delà de tout ça, il y a aussi, quand on est d'autres règles, qui sont par exemple le fait qu'il y a un accord qui soit fait par rapport au plus grand nombre de personnes, enfin, le fait que si dans un groupe, il suffit qu'il y ait une personne homme dans un groupe de X, ce qu'on apprend à l'école en français, pour passer en fait l'accord au masculin, donc par exemple, je ne sais pas, justement les manifestants, par exemple, il y a déjà eu des titres dans la presse qui étaient assez lunaires par rapport à ça, de manifestations féministes avec les manifestants, manifestations féministes qui est accordée avec manifestants au masculin. Et donc du coup, une autre manière d'inclure dans la langue, c'est justement de faire un accord en fonction de la quantité de personnes présentes. Et donc une manifestation féministe avec 80 personnes de femmes sera les manifestantes, peu importe qu'il y ait quelques X hommes à l'intérieur de la manifestation. Et ça, c'est quelque chose qui a aussi du mal à passer quelque part, parce que c'est comme si on touchait à une règle, quelque chose qu'on a vraiment appris au plus profond de nous en tant que Française, Français. Ça s'est déjà vu des modifications comme ça de ces règles-là, d'accords, de positionnement en fait, en fonction des mots dans la phrase, des choses comme ça dans l'histoire de la langue française. Oui, tout à fait. Ça, c'est Eliane Veillon qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'était très connu des linguistes auparavant, mais ça restait confidentiel. C'est qu'en fait, la règle qui fait qu'on accorde au masculin quand on a même 80% de manifestantes dans une manifestation, elle a été décidée à un moment donné au début de l'Académie française. Donc, ça marque un peu dans quel ancrage ça se fait, par Vaugelas qui dit, alors à la Parisienne, je pense qu'on dit Vaugelas, peut-être les Marseillais disent Vaugelas, je ne sais pas, mais peu importe, qui dit le masculin doit l'emporter car c'est le plus noble. Et donc, il y a à la fois cette idée de noblesse qui est complètement idéologique du masculin et cette idée de l'emporter. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde toutes les grammaires scolaires, vous ne trouverez jamais la phrase « le masculin l'emporte sur le féminin ». C'est jamais formulé comme ça et pourtant, on connaît la phrase par cœur. Hein, donc, ça, c'est étonnant de voir comment des choses se transmettent par-delà les circulaires, je dirais. Mais du coup... Pardon, oui. Non, justement, du coup, ça se transmet par une forme presque de tradition, d'habitude, enfin même du coup inconsciente en fait. C'est assez impressionnant de voir que c'est nulle part et à la fois partout.
Alors, on a des exemples qui disent, voilà, il faut accorder comme ça. Donc, on apprend la règle, mais elle ne se nomme pas comme ça. Son expression, par contre, son, la façon, ce, cette expression qu'on a de le dire, elle n'est pas écrite. Donc, ça, c'est intéressant. Mais voilà, je parlais de Baugelas pour montrer que ce n'est pas que ça a toujours été comme ça et qu'on essaie de le changer maintenant. C'est qu'il y a toujours une fabrique, y compris de choses grammaticales qu'on a l'impression de ne pas toucher. Donc, oui, il y a la question des accords, il y a la question de chaque mot, comment on rajoute du masculin ou du féminin dessus. Il y a la question aussi de la coordination, dans quel ordre on désigne les hommes et les femmes. On entend de plus en plus des chargés d'égalité femmes-hommes. Donc, où on entend l'inversion, mais qui ne va pas de soi. La plupart du temps, c'est dans l'autre sens. Il y a des travaux qui montrent des choses beaucoup plus implicites, qu'on emploie plus de structures passives pour désigner les femmes, que les femmes sont moins souvent montrées comme des agents de leurs actions, etc. Il y aura un exemple justement de ce que ça voudrait dire en fait d'avoir une tournure passive pour désigner une attitude, un comportement Alors, de femme. il y a un exemple magnifique qui est donné par Claire Michard, qui travaille sur des textes d'anthropologue, et je crois que c'est Lévi-Strauss qui écrit. Donc il raconte un terrain comme ça, ils sont dans un village, ils disent, ils nous laissèrent seuls dans le village abandonné avec les femmes et les enfants. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter beaucoup la phrase. Abandonné avec la moitié de la population, quoi. Voilà. À ce stade de la discussion, si vous nous écoutez depuis le début, vous comprenez que à la question principale, la langue est-elle neutre? On a commencé à répondre que clairement non, et de plein de manières différentes. Faisons un peu de méta-réflexion là-dessus, puisqu'on utilise le terme d'écriture inclusive pour désigner toutes ces pratiques d'inclure du féminin dans la langue telle qu'elle existe aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait utiliser peut-être d'autres termes qui seraient peut-être plus parlants pour les personnes qui se disent écriture inclusive, point médian, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y aurait comme d'autres termes pour définir toutes ces pratiques-là, en fait, et qui pourraient évoquer d'autres imaginaires pour les gens qui pratiquent l'écriture au quotidien? Julie, notamment, je sais que vous avez pas mal Oui, d'exemples. j'attendais de voir si Anne voulait répondre. Oui, alors je pense que déjà, on peut se poser la question de est-ce que l'enjeu, c'est vraiment d'inclure et éventuellement d'inclure qui à quoi? Et ça, c'est intéressant de voir que par exemple au Québec et en France, on n'a pas la même réponse à cette question d'inclusion. Au Québec, on est sur une vision plutôt de la diversité où on cherche à inclure différentes communautés, différents groupes ou différentes minorités, en tout cas à la société. C'est vraiment cette question de l'inclusion à la société. En France, on se rend compte que le thème de l'inclusion, c'est vraiment inclure à la figure, ça c'est les travaux de Laure Bérény, inclure à la figure du citoyen universel. Donc c'est pas tellement l'inclusion à la société, c'est vraiment l'inclusion dans une figure. À partir de là, on peut se dire que oui, on veut inclure les femmes, mais en fait, en vérité, souvent, on veut visibiliser les femmes. Ou peut-être on veut trouver un générique qui ne soit pas masculin, comme on en parlait tout à l'heure. Peut-être que certains veulent aussi abolir le genre, ou en tout cas dépasser ces catégories. Donc il y a déjà différentes stratégies et différentes options de ce qu'on veut faire en termes de communication et en termes d'analyse politique de ce qu'est le genre. Et par ailleurs, on a vu plein de formes du genre aussi sur lesquelles on peut jouer. Dans cette histoire-là, pendant très très longtemps, c'est le mot féminisation qui a un peu rassemblé tous ces termes. Et en même temps, il y a plein de linguistes qui travaillent avec féminisation, puis ça n'allait pas trop parce qu'on entend quand même visibiliser les femmes. Et on sentait bien qu'il y avait plein de moments où il s'agissait d'autres choses. Et donc, il y a eu beaucoup de propositions, rédaction épicène, rédaction antisexiste, rédaction contre les stéréotypes de genre, parité linguistique. Il y a eu vraiment, j'ai plus toute une liste, mais j'avais dressé une liste d'une vingtaine de dénominations. Oui, grammaire non binaire, il y avait quoi d'autre aussi? Désexisation, démasculinisation, antisexisme linguistique, plein de mots qui font appel à d'autres imaginaires que inclure des personnes dans quelque chose d'existant en tout cas. Tout à fait. Et donc du coup, ce terme d'écriture inclusive pour vous deux, Julie et Anne, est-ce qu'il vous paraît correct? Est-ce qu'il n'est pas parlant? Est-ce que parce que c'est celui qui s'impose aujourd'hui, c'est celui qu'on gardera et qui est important de conserver? Vas-y, Anne, parce que Non, j'ai j'ai pas l'impression trop d'avis là-dessus. Ça me va comme terme. Je vois pas trop d'inconvénients. Alors moi, je vois beaucoup d'inconvénients. C'est parce que justement pour cette question de l'inclusion, je ne suis pas sûre que moi, par exemple, j'ai envie d'être inclus à quoi? Aux hommes, en fait, ou à cette figure du citoyen où j'étais pas. Enfin, il y a quelque chose qui, pour moi, fonctionne pas. Effectivement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Par contre, je pense qu'on ne peut pas faire abstraction du fait que c'est le terme qui marche. Et je pense que c'est pas pour rien que c'est celui-ci qui marche.
et pas un autre, parce que je pense qu'antisexisme, c'est trop marqué, féministe est trop marqué, il y a beaucoup d'autres choses. Donc finalement, il y a une énorme polémique en ce moment. C'est regrettable que des gens veuillent en passer par la pénalisation ou par l'interdiction ou par des choses comme ça. Mais s'il y a cette polémique, c'est quand même que cette question, elle est audible et qu'elle a été audible sous cette forme-là. Ce n'est pas pour rien qu'elle est audible sous cette forme-là. C'est notamment parce que donc Inclusion avait été déjà en circulation en France. Il y a tout un travail qui a été fait dans les milieux de théologie protestante aux États-Unis et au Québec et au Canada autour de, enfin, en tout cas, leur version des pratiques féministes du langage était cette logique d'inclusion. Ça a traversé l'Atlantique, donc on arrive avec cet héritage-là. Et ensuite, ici, il y a une agence de communication qui a travaillé, en fait, à diffuser et à médiatiser la notion. Donc, c'est pas un pur hasard que ce soit celle-ci qui émerge. Elle a un passif et elle a des acteurs. Il y a eu une intervention pour qu'elle s'impose. Donc moi, je ne suis pas convaincue que ça soit la meilleure option, cette question de l'inclusion. Cependant, c'est celle qui s'impose et c'est celle qui fait du bruit. Donc, de toute façon, faisons avec, quoi. Quelque part, elle est là et il faut faire avec et l'expliquer, ce qu'on fait un petit peu là. Mais coup, elle témoigne sans même de ce qui est audible du féminisme, quoi. Pardon, est-ce que... Non, je comprends tout à fait cette idée que l'inclusion n'est pas forcément un but en soi. En tout cas, ça dépend de quoi on parle, mais on va revenir un petit peu. Tout petit peu après, d'abord, avant tout, j'aimerais qu'on fasse en fait une petite liste des arguments principaux maintenant qu'on a détaillé ensemble ce que ça pouvait être en fait l'écriture inclusive en pratique. Vous avez listé à peu près 6 idées qui résument vraiment très très bien en fait le débat actuel. La première, qu'est-ce qu'on répondrait à quelqu'un qui dirait qu'on change le français en faisant ça, en fait, que l'écriture inclusive c'est une modification de la langue elle-même. Ça veut dire l'argument le plus neutre. Est-ce qu'on change vraiment le français ou est-ce qu'en fait c'est quelque chose qui est un changement comme d'autres, comme il y a déjà eu d'autres changements de la langue Pense, oui. Il y a certains critiques qui disent que ce n'est pas du français, ce qui veut rien dire. On lit souvent des textes écrits de manière inclusive sans se rendre compte que c'est écrit comme ça. Et même quand il y a beaucoup de nouveautés, point médian, slash, etc., ça peut nous frapper, mais on comprend quand même le texte. Donc, c'est du français. Oui, ça change un peu, mais la langue évolue en permanence. Mais c'est important de dire que ça n'évolue pas dans un vide social. Ça évolue dans son environnement social pour répondre aux besoins des locuteurs et des locutrices. Et ça, c'est important parce que souvent, on parle de la langue comme un organisme naturel qui doit pouvoir évoluer de façon naturelle, mais ça évolue dans son environnement. C'est pas dans un vide. Voilà. Oui. Juste pour compléter, je pense qu'il y a ce fantasme quand même de la langue qui change pas. Mais en fait, on ne comprend pas comment elle pourrait ne pas changer. Enfin, y a déjà fiche de paix, fiche de paye, par exemple. Et puis en fait, ça va. Enfin, je veux dire, la langue n'est pas unique, elle ne peut pas l'être. Du coup, c'est vraiment ce fantasme d'une langue unique et qui est immobile. Mais, Ouais. Alors que tous les ans, on commente les entrées au dictionnaire des nouveaux mots de la langue française. Tout à fait. Que c'est un événement et on dit « Ah, ces nouveaux mots qui sont rentrés grâce à tel événement, là, le Covid, tel mot est rentré dans le dictionnaire. » Et ce changement-là, il est presque institutionnel. Toute personne ne va jamais vraiment râler. Ou, au contraire, ça va être un tampon de validation pour dire « Maintenant, on pourra reprendre les gens en disant « c'est dans le dictionnaire. » Mais tout ça est bien la preuve que ça change tous les ans, tout le temps. Un peu dans la même idée, qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dirait l'écriture inclusive, elle est illisible et elle est imprononçable? Et je rajoutais presque, elle est moche, parce qu'il y a un peu cette idée-là dedans. L'argument moche ne compte pas pour moi. C'est, pourquoi? C'est esthétique, ça veut rien dire. C'est les sons, les prononciations, par exemple, on peut dire, ah, j'aime pas la façon dont elle prononce ce mot-là, c'est moche, c'est un son. Ça n'a pas de... C'est nous qui donnons une valeur au son ou au mot ou au point ou au bar. Donc, c'est très, très subjectif. Ce que moi, je trouve beau, quelqu'un d'autre trouve moche. Donc, qui a raison? C'est impossible à juger. Sur l'illisible, bon, c'est un peu une remarque provocatrice, enfin une réponse provocatrice, mais en fait, peut-être que si c'est trop de marquer tout le temps le masculin et le féminin, c'est peut-être qu'il y a un peu trop de distinction entre hommes et femmes.
Alors peut-être qu'on peut se poser cette question-là aussi, de à quel point c'est nécessaire de distinguer le Ça, ce temps, et serait une peut-être qu'on pourrait réponse. penser à l'au-delà du genre. Voilà. Ça, c'est pour l'après. Ce serait pour une société dans laquelle il n'y aurait pas de différence de position sociale et de domination qui existe. Parce que effacer les mots, ce n'est pas effacer les réalités sociales. Actuellement, si on enlève cette distinction-là, les inégalités vont rester, mine de rien. Bien sûr, non, c'est pour ça que c'était une provocation. Non, par contre, je Mais me c'est dis une aussi, mais je provocation pense utile. qu'il faut le voir comme une abréviation. C'est-à-dire, par exemple, quand on met, je ne sais pas si on le voit souvent sur quand l'étudiant ou les étudiants, non, alors peut-être je ne vais pas prendre avec une apostrophe, le candidat, les candidats, où on a le S entre parenthèses pour les candidats singulier et pluriel, ça pose aucun problème. Personne ne se dit, mais comment est-ce que je vais prononcer ça? Et en fait, il n'y a aucune règle d'ailleurs. Comme je viens de le faire, ben, peut-être les candidats, le candidat ou les candidats. Enfin, et c'est exactement la même chose. Donc, en fait, on ne lit pas le. C'est pas. Comment dire? L'écriture, ce n'est pas un guide articulatoire qui nous dit quand on a oiseau, ben, il faudrait que je dise oiseau, si je voulais vraiment lire chaque son. Donc, en fait, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un calque de l'oral, l'écrit. C'est une indication sur ce qu'il y a à prononcer ou c'est C'est toujours une une indication. convention. C'est un code, ouais, c'est ça sur lequel on se met d'accord. Et puis la notion d'illisible, je rajouterais peut-être qu'on apprend à lire des choses qui sont quand même très compliquées à lire en français dès le plus jeune âge. Il y a quand même un tas de conventions en langue française qui sont quand même très compliquées. J'imagine que Anne, enfin, J'en ai une langue souffert, maternelle, on est quand même une langue qui est quand même pas évidente. L'illisible, c'est une question de point de vue aussi et de ce qu'on considère comme étant facile à apprendre ou pas, et prioritaire à apprendre aussi ou pas, mine de rien. Encore une autre, il y a encore plein d'autres. Qu'est-ce que vous répondriez à l'écriture inclusive, elle est trop compliquée, elle met la réussite scolaire des jeunes en danger, qui est quand même l'argument massue quand on parle d'école, comme c'est le cas de l'actualité, Jean-Michel Blanquer. Je pense que le côté compliqué, ça fait écho à cet illisible et cet imprononçable. Encore une fois, voilà, on y a répondu déjà, hein, qu'il y a une complexité telle déjà dans la langue française et dans le standard en tout cas qu'on enseigne. Bon, il y a une réforme qui a été proposée en 1990 de simplification de l'orthographe. Dans cette idée-là, de dire on va simplifier parce qu'il y a, y a une c'est trop élitiste la complexité de l'orthographe, et effectivement, ça empêche peut-être d'apprendre. Sauf que personne, y compris au ministère, ne s'est jamais beaucoup soucié de faire appliquer cette réforme. Et il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants, y compris du primaire, qui n'en ont jamais entendu parler, par exemple. Donc, Qu'est-ce qu'elle prévoyait justement cette réforme-là comme simplification, qu'on se donne une idée de ce qu'on aurait pu apprendre à l'école? c'est la suppression des accents circonflexes. Pour une grande partie, c'est qu'est-ce qu'il y a dans Bah, cette réforme? l'orthographe de oignon aussi, non? Oui, des choses voilà comme oignon Ouais. qui devenait NI et plus GN. Il y avait quelque chose sur l'accord des, vous savez, quand, porte-manteau au pluriel, où est-ce qu'on met le S, donc qui simplifiait en mettant en attachant les mots, c'est ça, en rattachant. J'ai plus tous les exemples, mais c'était quand même, ça prévoyait beaucoup, beaucoup de cas quand même Et de cas du dans ce quotidien du sens-là. coup, au-delà de, pas de, Ah oui, tout à fait, ouais. c'était pas quelque chose de l'ordre justement de rapport masculin-féminin, de féminisation, de rapport de pouvoir, c'était vraiment quelque chose de très neutre vis-à-vis de la langue Absolument, en ouais. l'occurrence. Absolument. Et donc, on ne s'est jamais vraiment préoccupé de faire appliquer cette réforme. Là, tout d'un coup, on dit que c'est trop compliqué. Par ailleurs, en fait, on n'en sait absolument rien. C'est que tout d'un coup, tout le monde se soucie des dyslexiques comme jamais, alors que c'est rarement une question qui fait la une des médias. On n'a aucun travaux là-dessus. Alors, il y a aussi des gens, des fois, qui disent oui, mais pour la reconnaissance vocale, pour la synthèse vocale, pour les personnes aveugles, etc., il y a aujourd'hui des plugins qui très facilement transforment les points en points médians. Donc, la technique va suivre, en fait. Ça, ce n'est pas un problème du tout. Donc cette question de réussite scolaire, elle est très tendancieuse, quoi, en tout cas de mettre ça en avant, surtout vu le fonctionnement de l'école publique française, quoi, qui est quand même pas non plus connue pour être un lieu de réduction complète des inégalités. C'est le moins qu'on puisse dire. En parlant du coup de réduction d'inégalités, qu'est-ce qu'on répond à l'argument? L'écriture inclusive, elle, c'est pas quelque chose qui va contribuer à faire avoir plus d'élus à des postes de pouvoir dans les entreprises, à l'Assemblée nationale. Ça va pas être une manière de lutter contre la violence faite aux femmes. C'est quelque chose qui est du coup presque anecdotique par rapport au vrai combat du féminisme, sous-entendu. Ouais, Qu'est-ce c'est que un vous peu répondez? l'argument. Il y a des batailles plus importantes.
Et je pense que dans le féminisme, il n'y a pas une seule bataille, il y a beaucoup de petites batailles. Et ensemble, on fait chaque petite bataille gagnée fait qu'il y a une différence, un changement. Mais j'entends souvent dans la bouche des détracteurs que les gens qui veulent utiliser l'écriture inclusive pensent que ça va d'un coup changer le monde. Mais personne n'a jamais dit ça. C'est un argument fallacieux. Et ça, c'est le linguistique déterminisme, le déterminisme linguistique que personne ne soutient plus. Et par contre, le relativisme linguistique, ça, c'est plus intéressant. L'idée que la langue qu'on parle, qu'on utilise, peut façonner la façon, la manière dont on voit le monde. Et ça, je pense que si on prend cette position, changer la langue, rendre la langue moins sexiste, plus neutre, plus inclusif, peut, petit à petit, façonner notre vision du monde. Et donc, avoir des résultats concrets, matériels. Notamment, quand on parlait tout à l'heure de métier et de féminisation dans le métier, de se rendre compte que certains métiers de symboliquement haut, à fort pouvoir, sont des métiers qui peuvent être aussi exercés par des femmes, notamment en termes de représentation. Oui, il y a eu des études qui montrent que plus le langage est inclusif dans les profils du poste, plus les femmes vont postuler pour ces postes. Donc, il y a un lien concret. Oui, et puis il faut un peu resituer aussi que ces discours, c'est des discours d'hommes, quand même majoritairement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes opposées à l'écriture inclusive, hein, mais en tout cas, ces arguments-là sont souvent produits par des hommes. De toute façon, pour une femme de pouvoir s'énoncer, ça me semble d'une importance fondamentale dans la question de l'accès au monde et de faire sens avec le monde et de s'énoncer comme un sujet. Donc, je pense qu'il n'y a même pas de négociation sur est-ce que cette question de la représentation, elle est importante ou pas. Et quand bien même, en plus, elle touche toutes les questions matérielles, comme tu viens exactement de le montrer, Anne. Vous êtes chercheuse et pas chercheur. Je fais le lien entre position symbolique de savoir. C'est important de féminiser ces positions-là aussi. Vous le savez très bien parce que vous le vivez, j'imagine, au quotidien. Ça doit être des débats que vous devez avoir avec certains collègues, j'imagine, en plus. En tout cas, ça a dû... Ça va. Vous êtes bien par rapport à ça. Non, j'ai des collègues sympas. Il me reste encore deux. Elles sont assez liées. L'écriture inclusive, c'est une mise en danger de la langue française. Vraiment, c'est un danger en soi. C'est pas une modification, c'est même une notion de danger. Alors, ça vient d'où cet argument ? Alors, je pense qu'il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'on entend par langue française, parce qu'en fait, on n'entend absolument pas la question de la communication. Qu'est-ce qu'une langue ? Bon, alors on sait qu'il y a beaucoup de... C'est compliqué de définir les frontières d'une langue, etc. Mais en tout cas, on pourrait dire que la fonction d'une langue, c'est de communiquer et d'échanger. Je ne vais pas plus loin que ça. Là, quand on met en danger quelque chose, enfin, on ne met pas en danger la communication. En fait, on met en danger quoi ? On met en danger la nation. C'est ça qu'adressent ces détracteurs-là quand ils pensent à la langue française. Et ils le disent de manière très explicite, encore dans Le Figaro, il y a quelques semaines. Le problème, c'est que ça invisibilise la nation. C'est le péril mortel pour le patrimoine que serait la langue. Enfin, il y a toute cette vue de la langue comme une sorte de continuité organique de la nation. Et justement, il faut qu'on détaille ça parce que le lien entre la langue française et la nation, il y a quand même pas mal d'étapes entre-temps pour arriver à comprendre cette idée-là qui pourtant est sortie de manière presque automatique, facile. Alors, est-ce qu'on peut le détricoter ensemble, ça ? Pourquoi certaines personnes disent « toucher à la langue française, c'est toucher à ce qui nous constitue comme nation ?» J'en profite d'ailleurs faire une parenthèse pour répondre à quelqu'un qui posait la question « de quoi parle-t-on quand on parle le français ? » On ne parle pas le même français au Québec. Je précise que depuis le début de cette rencontre, on parle vraiment de langue française parler sur le territoire métropolitain français, avant tout. Sinon, on peut parler pendant environ 3 heures de plein de pratiques de la langue française, etc. Qu'est-ce que la langue française, et tout ça. Donc, on est resté sur un territoire purement métropolitain français, je le précise quand même au passage. Donc, comment est-ce qu'on fait ce lien entre la langue, c'est ce qui nous constitue en tant que nation française ? Est-ce que c'est une particularité française ? Et c'est quoi les étapes intermédiaires pour en arriver là ? Parce qu'il y en a forcément quelque part. Je pense que c'est à partir de la Révolution française où on a pris la langue comme substitut, quelque chose comme ciment pour essayer de coller ensemble cette nouvelle nation, et quelque chose qui a été
promu dans un but idéologique, quoi, pour essayer de unifier toutes ces gens disparates qui parlaient plein de langues différentes. Et en France, il y a un lien très fort, je pense, entre langue et nation. Beaucoup moins si on parle de l'anglais en Angleterre. Je ne parle pas de l'Écosse, ni de l'Irlande, ni du Pays de Galles. Ce lien est moins fort, je pense, en anglais. Mais je pense que c'est l'histoire de la France à partir de la Révolution où on a mobilisé la langue pour jouer un rôle dans la formation, la construction de cette nation. Je pense que il y a aussi, pour compléter, deux aspects. D'une part, un aspect de tradition, où en fait, c'est l'appel à la tradition, c'est quand même un topic classique dans le nationalisme, en tout cas, ou dans cette idée de la nation. Et donc, la langue française, là, elle serait mobilisée comme quelque chose de l'ordre de la tradition, la langue ancienne, on retrouve toute la question sur l'histoire, le patrimoine, etc. Et je pense qu'il y a aussi la question de l'impérialisme, de l'empire français, qui, contrairement à l'empire britannique, a beaucoup travaillé sur l'imposition linguistique et donc a utilisé aussi la langue comme outil de la colonisation, quoi, très directement. Donc il y a vraiment cette idée de solidifier, c'est ça, comme on disait tout à l'heure, solidifier l'ordre du monde et solidifier l'ordre de la langue. Là, c'est pareil, c'est solidifier cette idée de l'État-nation au moyen de la langue. Donc, par ailleurs, on a pas mal de travaux sur le postcolonialisme qui montrent bien comment le genre l'ordre du genre a soutenu les ordres nationaux et les ordres impériaux. En fait, comment on a mobilisé d'aller sauver, par exemple, des femmes qui n'étaient pas des femmes occidentales et qu'il fallait ramener à cette égalité occidentale fantasmée. Ou alors, au contraire, de montrer le colonisé comme féminisé. Enfin, on a beaucoup, beaucoup réutilisé la dichotomie du masculin et du féminin pour maintenir l'ordre colonial. Donc, on a cette première association colonialisme-genre. Et en fait, derrière colonialisme-nationalisme ou empire, c'est un peu nébuleux, quoi, comment tout ça s'associe, mais ça s'associe. Et d'autre part, cette association entre la langue et le colonialisme. Donc, genre et colonialisme, langue et colonialisme. Et du coup, là, on a l'accolement des deux qui fait que, d'un coup, toucher au genre dans la langue, hop, ça devient toucher à la nation. Ouais. Effectivement, ça ne va pas de soi, c'est à détricoter. Ouais, et cet argument entre langue et nation est assez dangereux et très, très clivant, parce que dire que si on touche à la langue, c'est détricoter la nation, ça veut dire que ceux qui touchent et celles qui touchent à la langue, on n'est pas de bons citoyens, Enfin, ça nous exclut un petit peu de cette nation. On est dangereux. Et je trouve que c'est un discours qui est clivant et assez dangereux. Si je résume du coup ce que vous disiez, Julie, l'idée c'est qu'il y a une langue qui a été utilisée comme étant, je reprends aussi ce que disait Anne, un instrument politique pour former une nation française à un moment donné, que cette langue est donc devenue un outil plus tard dans l'histoire française pour montrer une vision du monde aussi, à la française quelque part, dans les colonies, et donc une vision du monde qui inclut une vision du rapport entre les hommes et les femmes aussi, donc ce lien entre langue et genre que vous expliquiez, et que du coup aujourd'hui revenir là-dessus, revenir sur l'outil langue lui-même, ce serait toucher en fait à cette construction qui fait que nous sommes liés en tant que Français par une langue commune, comme on apprend ça, voilà, un seul une seule république, un une langue. Un ordre du genre particulier. Et du coup, d'être dedans à l'intérieur, en plus, un ordre du genre. J'espère que c'est un peu clair, résumé, si je résume oui, ouais, comme ça. Ouais, mais c'est en tout cas, c'est l'idée qu'on touche à quelque chose qui fait qu'on vit ensemble par la langue aussi. Et que vouloir la toucher, c'est vouloir renoncer au contrat qu'on a pour vivre ensemble. C'est quelque chose comme ça. C'est ouais, qu'on reviendrait c'est mettre en question... Oui, c'est très compliqué tout ça. Ça a été quand même réaffirmé là par le gouvernement dans sa lecture de la francophonie, où la francophonie, c'est ce qui n'est pas la réalité du tout de la francophonie, mais la francophonie est utilisée comme rayonnement de la France. Donc je pense qu'il faut vraiment le voir à une échelle mondiale en fait, etc. Et du coup, la France se pose comme en garant d'une sorte de pureté
qui est vraiment cette pureté du centre, en fait, hein, de se penser comme le centre. Et donc, bouger quelque chose, mais ce n'est pas bouger n'importe quoi, parce qu'on l'a dit, ça peut changer sur plein de choses et ça ne pose pas de problème. Mais si c'est le genre qui est aussi un garant de l'ordre, d'un ordre moral, en fait, hop, là, tout de suite, on fait exploser, en fait... on fait exploser cette pureté, ce fantasme de la pureté nationale. Il y a une remarque de Coralie je lis la remarque dans son entier. On peut même sans doute faire remonter le lien entre Français et France à l'édit de Villers-Cotterêts qui utilise la langue pour unifier et différencier la France d'autres pays catholiques, unifier les langues d'Oïl et d'Oc en une langue qui réunit une nation. Si vous pouvez peut-être détailler un tout petit peu ce qui s'est dit dans cet édit de Villers-Cotterêts, car je suis plus contente que moi pour détailler ça. J'ai pas révisé mes cours, mais c'est, en gros, c'est François Ier qui édicte que si je dis pas de bêtises, que le français sera la langue de la justice. Oui, c'est que la justice, c'est pas la nation. Hein. C'était. Mais c'est le marqueur, c'est pris comme le marqueur effectivement du premier moment d'unité du français. Ouais. Ouais, mais il a dit que dans la loi, c'était soit en français, soit dans la langue du coin, donc la langue régionale. Donc c'est pas le français comme on le connaît aujourd'hui comme langue nationale. C'est soit le français, soit langue régionale. Par rapport à ça, je vous laisse. Je vous laisse le dernier mot sur ce point-là. Moi, il me reste un argument auquel on pourrait répondre. On y a déjà un peu répondu, mais il y a peut-être d'autres choses à rajouter. C'est que l'écriture inclusive, c'est imposer une idéologie. Je le disais dans l'introduction, entre guillemets, une idéologie féministe. En quoi c'est une phrase qui est vraie, fausse, et peut-être vraie dans le bon sens du terme, je ne sais pas. Ça se discute. Est-ce que l'écriture inclusive, c'est une idéologie ? Ouais, juste pour revenir sur le mot imposer, encore, c'est que dans la bouche des détracteurs, rien n'est imposé. Il y a des gens qui utilisent, qui utilisent certaines pratiques féministes langagières, mais on n'impose absolument rien sur qui que ce soit. J'ai des étudiants, quand ils écrivent en anglais, ils utilisent le masculin générique. Je ne les sanctionne pas, j'explique que c'est un peu démodé. Mais j'accepte, si vous voulez écrire comme ça, j'accepte, c'est grammaticalement acceptable, mais j'explique, c'est tout. Mais on est en train d'imposer rien sur qui que ce soit. Oui, je réagirais sur le côté idéologie plutôt, oui, c'est idéologique, mais comme tout. C'est-à-dire que le français tel qu'il est sans écriture inclusive, et déjà il ne l'est plus, en fait c'est trop tard, là j'ai envie de dire, pour faire marche arrière, oui. Mais quand bien même, il est tout aussi idéologique. On a vu, on a parlé de Vauchelat qui dit à un moment donné, il faut décider que le masculin est le plus noble, c'est idéologique, en fait c'est tout le temps idéologique. Mais depuis Protagoras, Protagoras c'est le moins 5e siècle, qui dit, ah ben quand même, il y a certains mots, ça sonne plus masculin, par exemple la rancune c'est plus un sentiment des hommes, donc hop, il faut grammaticalement, on va le mettre au masculin en grec. Donc en fait des interventions idéologiques, il y en a toujours, et même quand bien même on n'intervient pas, la non-intervention est tout aussi idéologique, donc oui c'est idéologique, comme tout objet social, la langue c'est un objet social, donc... Il ne peut pas avoir de rapport non idéologique à la langue. Oui, je pense qu'au moins, on est honnête par rapport à cette idéologie. Dire que quelque chose n'est que purement linguistique, je suis désolée, mais en tant que sociolinguistique, ça n'a pas de sens pour moi. On ne peut pas extraire la langue de son contexte social. Et, on peut, mais on a la moitié du récit. Et l'autre moitié, il faut le remettre dans son contexte. Et que du coup, si on doit dire que c'est peut-être, allez, mettons que c'est une idéologie, elle n'est que face à une autre idéologie, une autre vision de ce qu'est la langue, pour quelles conséquences sociales, et que du coup, c'est juste des visions différentes de ce que doit ou est déjà la langue, et donc c'est pas une forme de, une déformation de quelque chose qui serait déjà par nature neutre, en gros. Tout à fait. Si je résume ça. On a bien fait le tour de la question, ça fait déjà une heure qu'on parle ensemble. Je voulais peut-être qu'on finisse aussi par rappeler qu'il y a d'autres manières en fait, de voir des rapports de pouvoir dans la langue autres que justement sur le masculin ou le féminin. Et que quand on pense
idéologie féministe, écriture inclusive, on se dit « Ah, vous voulez mettre de la hiérarchie là où il n'y en a pas ailleurs », alors qu'en fait, la langue, elle est pétrie d'énormément de rapports de domination, je pense notamment au cas des classes sociales, par exemple. Et est-ce que vous avez des exemples pour montrer des éléments de vocabulaire qu'on pense neutres aussi, qui ne sont pas liés au genre, mais qui en fait reflètent une certaine vision, une certaine domination dans le monde social? J'ai un exemple pour la prononciation, pas le vocabulaire, mais les liaisons obligatoires et les liaisons facultatives. Donc, les liaisons obligatoires ne montrent pas son classe sociale, par exemple, mais les liaisons facultatives, oui. Et avec les accents en anglais, dès que quelqu'un dit une phrase, je peux dire, voilà, cette personne vient de là, de telle classe sociale, une phrase d'habitude. Et c'est vrai qu'il y a des... C'est pas que les sons, c'est... On donne des valeurs aux sons, ils représentent quelque chose, avec le choix de vocabulaire ou la prononciation, les liaisons, etc. C'est pas neutre non plus. Donc la manière de parler n'est pas neutre, et donc la manière dont les gens utilisent la langue, au-delà des questions d'accent, cela montre déjà une position sociale donnée. Oui, la façon dont on utilise la langue, mais la façon dont les autres perçoivent aussi notre utilisation. J'ai un bon exemple de la prononciation de S, la façon dont les hommes prononcent S peut être comprise comme un marqueur de sexualité. Donc, prononcer un plutôt haut, il y a eu des études qui en montrent anglais, que les personnes ouais. qui... En anglais, oui. Mais dans une langue scandinave aussi, il me semble. Pas que l'anglais. Qu'on perçoit ces hommes comme gays, comme homosexuels. Même s'ils ne le sont pas, mais c'est notre façon de percevoir les sons, on donne une valeur sociale. Donc c'est ce qu'on utilise, mais aussi la perception de ce qu'on utilise. Julie, un autre exemple à ajouter? Ah, ou peut-être qu'on a perdu Julie. Non. Non, c'est bon. Non, j'avais plus... je crois que c'est combination. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça coupe un petit peu, oui. Ça coupe, hein. Là, c'est bon. Je suis désolée, je n'ai rien touché. Là, c'est tout bon. Oui, j'avais plus... Non. Super. On n'entend pas. C'est des désolée. En attendant, du coup, je vais... J'essaie de regarder la Freebox. Enfin, la... ouais. Là, ça a l'air bon. Je suis revenue ou pas? Oui, ça a l'air de marcher. Bon. Ok. Je vais essayer. Non, j'avais en tête plutôt des dénominations, comme quand on dit jeune de banlieue, par exemple. Donc, le fait que... qu'en fait, jeune de banlieue va être souvent employé dans ce qu'on pourrait appeler des racismes subtils. C'est-à-dire qu'en fait, par la classe, et par le quartier d'habitation, en fait, on implique quelque chose sur la race et la classe. Donc, oui. Il y a un sous-entendu. Oui, tout à fait. Un sous-entendu derrière certains mots qui sont officiellement neutres et qui, en fait, derrière, ont des charges sociales accrochées, quoi. Moi, je pensais aussi notamment au vocabulaire qu'on utilise pour parler du monde du travail. Et donc, par exemple, le fait que le terme ouvrier est quasiment disparu de discours politique, ou qu'on ne parle pas de salarié, mais de collaborateur, collaboratrice. Et qu'en fait, ce sont des mots qui ne sont pas pensés comme étant politiques et qui, en fait, reflètent une vision politique de ce qu'est le travail. Je pensais aussi à ça comme exemple en termes de vocabulaire pur. Avant peut-être de nous quitter, il y a une question qui a été posée par Coralie, qui est de dire qu'est-ce qu'on répond à celles et ceux qui parlent de rendre inclusif le corbeau et le renard. Et c'est vrai que ça soulève une question qu'on n'a pas abordée ensemble, qui est que quand on parle d'inclusif, là on en parlait dans le langage courant, mais qu'il y a aussi quelque part une peur, une crainte, qu'on touche à tout ce qui est de l'ordre du patrimoine de l'écrit en français. Alors qu'est-ce qu'on répond à ces personnes-là? Bon, un, que personne n'a proposé de réécrire quoi que ce soit.
Et deux, que en fait, les œuvres sont retraduites et réécrites en permanence, mais sur un rythme assez lent, ce qui fait que nous, on ne s'en rend pas compte. Il n'y a pas tous les 2 ans une nouvelle traduction de Dostoïevski. D'ailleurs, quand il y en a une, on en avait entendu parler, vous vous rappelez peut-être, il y a quelques années. Donc, de temps en temps, il y a ces retraductions, et peut-être qu'à un moment où ça sera impossible de parler autrement, et ça, c'est une prédiction, on n'en sait rien si ça va arriver, autrement que comme ça, alors peut-être que, oui, il y aura des réécritures dans ce sens-là, parce que ça correspondra à ce qu'est le français contemporain, à ce moment-là. Mais avant ça, il n'y a aucune chance que ça arrive. Donc, c'est un... Enfin, ouais, je ne sais pas comment le dire, mais faudrait-il encore donner la preuve que ça puisse être possible pour répondre à des arguments comme ça, quoi. On peut aussi peut-être répondre qu'à partir d'un patrimoine qui est genré ou qui montre des relations hommes-femmes qui sont dans des rapports de domination, il est possible aussi, dans la pratique de la langue elle-même, donc à la lecture de livres pour enfants, de romans, potentiellement avec, quand on est dans l'apprentissage de la langue avec des jeunes enfants, de soi-même en fait questionner par rapport à ces différences-là, pourquoi est-ce qu'il n'y a que du masculin dans les fables de La Fontaine, il me semble d'ailleurs, je le dis comme ça, mais spontanément j'ai envie de dire il n'y a que des personnages identifiés comme masculins. Dans le corbeau, le renard, la cigale et la fourmi. Ah ben non, j'en ai pas un énorme, mais du coup c'est quand même deux féminins. Oui. Le questionner avec les personnes qui lisent ces textes ou qui les apprennent pour justement aller voir ce qu'il y a derrière sans forcément changer le texte lui-même. Dans la pratique, il est possible de remettre en question ce qui est déjà présent comme inégalité ou comme représentation partielle du monde social tel qu'il est aujourd'hui et pas à l'époque à laquelle ils ont été écrits. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas du tout abordés ensemble qui vous semblent importants avant qu'on remercie les personnes qui nous ont suivis ce soir ? Ça vous semble un tour d'horizon ? Je pense que c'est bon, oui. Et on pourra donc conclure en disant et en rappelant que tout ce qu'on vient de dire là en une heure et quelques, c'est de dire simplement que le langage, il évolue, qu'il y a des pratiques qui peuvent changer, c'est un outil avant toute chose. Et qui permet du coup de changer des représentations, mais ça doit être un outil et pas une fin en soi. Et donc, peut-être que 55 tribunes de linguistes n'y changeront rien, c'est dans le langage de tous les jours qu'on peut faire évoluer tout ça. En tout cas, j'avais peut-être envie de conclure là-dessus et de vous remercier toutes les deux, du coup, Anne Coady et Julie Abou. Et puis, remercier aussi Caroline Reynaud et remercier toutes les personnes de la BPI qui ont rendu cette rencontre de ce soir possible. Rencontre qui a été enregistrée et donc qui sera disponible en replay donc sur le site, le Facebook et la chaîne YouTube de la BPI. Donc, vous pourrez la revoir si vous nous avez suivi ce soir, la réécouter ou la partager avec des personnes de votre entourage. Et puis, la prochaine rencontre organisée par la BPI, ce sera le 28 juin et ce sera pour une thématique qui est proche de celle de ce soir parce qu'il sera question de la graphie inclusive. Voilà, donc ce sera fin juin. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis et puis très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup.